Cher papa, c'est solennellement que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous demander de bien vouloir vous impliquer plus dans l'organisation des vacances familiales. Bien cordialement, les mamans/slash les partenaires, ne les oublions pas. Gilles Crétinant, bonjour. Bonjour. Je fais un petit peu d'humour, hein, bien entendu, hein, mais c'est vrai qu'on a tendance à entendre beaucoup de mamans se plaindre en disant qu'elles ont organisé seules les vacances et que, euh, effectivement, quand les papas s'impliquaient, ben, c'était toujours sur demande de la maman. Oui, euh, effectivement, la répartition des tâches euh, domestiques et éducatives euh, dans notre société, elle est encore euh, genrée, elle est encore principalement le fait des femmes. C'est elles qui travaillent à temps partiel une fois qu'elles ont enfanté, et les hommes continuent à bosser beaucoup à plein temps. Il n'y a que 17% à temps partiel, et c'est un vrai combat pour eux pour réussir à, à les obtenir. Oui. Donc, ce qui fait que la répartition euh, au quotidien, réellement au nombre d'heures, c'est clairement les, les mamans qui le font. Et quand on fait, eh ben, on acquiert des compétences. Oui, on acquiert des compétences, mais aussi des critiques, hein, parce que souvent, je pense que ce qui rébute beaucoup les papas, c'est que quand ils font quelque chose, tiens, par exemple, chez fait les bagages, il fait les bagages, et puis nous, on vérifie derrière et on voit qu'il a oublié la moitié des chaussettes, et on voit qu'il a oublié euh, les maillots de bain alors qu'on allait à la mer. C'est exactement ce que je disais. Quand on fait, on acquiert les connaissances et les compétences. Ça veut dire que, effectivement, pour un papa, s'il veut s'impliquer, il doit vraiment euh, être présent dans l'action. Donc, on apprend des choses, on les pratique, et les deux réunissent, ça donne une compétence. Et et si on n'arrive pas à les faire, si on ne fait que de la théorie et pas de la pratique, on ne développe pas ses compétences. Et s'ils ne le font pas au quotidien, et ce que nous on aime bien proposer aux pères, c'est de dire mais essaye, essayez de vous occuper de votre enfant, par exemple, un week-end tout seul, dès le départ, et bien automatiquement en étant seul, sans avoir l'experte à côté ou la personne qui a le plus l'habitude de le faire, et bien, et bien ça va nous permettre d'acquérir cette compétence et cette confiance en soi pour dire oui, je suis capable de m'occuper de mon petit garçon ou de oui. ma petite fille. Bon après, bien entendu, on fait quand même de l'humour, on cherche à culpabiliser personne, bien entendu que les papas sont très responsable, on est tout à fait au fait, hein. mais c'est juste que voilà, on, on essaye un peu plus de les impliquer en fait dans l'organisation des vacances. Par exemple, il n'y a pas que le, le côté pratique de faire les bagages, etc., mais il y a aussi le choix de la destination, un petit peu surprendre, un peu sortir des sentiers battus. Tiens, chérie, j'ai une idée, viens cet été, on va euh, euh, et puis euh, voilà, choisir une destination. Comment est-ce que vous vous accompagnez les papas dans ce sens-là ben disons que c'est la question de l'implication dans, dans, dans le rôle coparental et de se dire ben voilà, est-ce que je délègue ça entièrement à ma compagne, à la maman de l'enfant, ou est-ce que je veux m'investir Alors, ça va dépendre des hommes, des, des pères eux-mêmes, d'abord, en premier lieu. Mais c'est vrai que euh, dans la répartition des rôles, ben on pourra avoir tendance à se dire tout ce qui touche à la maison, je laisse faire à la maman, et moi, je me déresponsabilise et je laisse les soucis et les responsabilités à la femme. Et là, on est sur la question de la charge mentale, parce qu'organiser des vacances, c'est aussi se répartir une grosse charge mentale gros stress que d'organiser des vacances avec des gamins en bas âge ou même plus âgés. Et donc de dire, ben, je m'investis et je prends une partie de l'organisation des vacances tout seul, sans l'aide de ma partenaire, et on y va. J'aime bien euh, cette répartition de la charge mentale. On en, on en parle souvent dans cette émission, mais effectivement, c'est quand même quelque chose bah, sur lequel il faut encore qu'on travaille. Gilles Crétenn, euh, Mencar a lancé une nouvelle plateforme pour les papas, donc un nouveau site Internet. Oui, un nouveau site internet qui s'appelle New Dad, mais new N -I -U -D -A -D ch, qui est vraiment adressé au père et aux futur père. Je suis très content de l'avoir en français pour la Suisse romande. Oui, nous elle, aussi. Est, elle, est, <laughs> ouais, elle a été lancée en Suisse-allemande il y a quelques mois. Et, et donc, vraiment, il y a des conseils pratiques. Il y a même un test. Un test que chaque euh, papa ou, ou futur père peut faire. Et ce test, il est très intéressant parce qu'il permet de voir ce que j'ai envie de devenir comme père. Ça veut dire mes valeurs, où j'ai envie de m'investir, et ce que je fais réellement ou ce que je compte faire réellement dans la réalité. Et de voir un petit peu le gap entre aïe ses aïe volontés aïe. et ce qu'on fait réellement, ben je pense que c'est une bonne occasion de discuter sur son rôle et son application dans le C'est comment co ça se présente C'est une question de pourcentage Tiens, Exactement. Suis... C'est vrai Oui, il y, a, il y a beaucoup de questions et on a une évaluation qui est faite sur des bases scientifiques, hein, euh, qui est faite sur des critères qui nous permettent de voir si on est plutôt progressiste sur un certain point et peut-être un peu moins progressiste sur d'autres points et nous, avec manner avec toujours beaucoup de bienveillance, on interroge quand même de dire mais est-ce qu'il y a des différences Est-ce que tu peux te poser des questions là autour avec ta compagne ou ton compagnon.